Comment allez-vous? Bien, j'espère. Ce n'est pas le cas de Blanche qui pleure sous les couvertures. Mais pourquoi, me direz-vous? Ben, c'est tout simple. Cette nuit, ma petite Blanche, elle a appris le décès de quelqu'un. Alors, qui? Vous inquiétez pas. C'est pas très grave. Enfin, si, elle est triste. C'est Samantha qui nous a quittés. La sœur de Jason. Je vous resitue Gretel, Jason, deux sœurs, Samantha et Natacha. Oh, les deux sont mortes en fait. Natacha, elle était là au mariage aussi. Hein. Morte de vieillesse, toutes les deux. Le mariage les a épuisées. J'ai peur pour Jason, j'ai envie d'aller le voir ce week-end. Et on se rappelle tous ses enfants. Oh là là, ça fait beaucoup. Donc du coup, eh ben, elle est triste Blanche, elle est sensible notre petite Blanche. Écoute, va donc faire le petit-déj. Tiens, ta sœur est déjà réveillée. Elle est toute sale. On va servir le petit-déj. On va faire des pancakes. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Je sais pas. Je pense que Blanche, elle a peut-être envie d'aller essayer de faire un petit peu de sous en vendant des gâteaux. On va voir ça. Rose, elle a ses règles en ce moment. Voilà. Donc, sa sœur lui a filé des tampons et des serviettes. Elle en avait pas. Il faudrait peut-être d'ailleurs qu'on aille en racheter. On va peut-être demander de l'argent à notre père, puisqu'il en a plus que notre mère. Ce sera cool. Blanche, niveau 6 de la compétence cuisine. Trop bien. Noam, ensuite, t'appelleras tout le monde à table. Regardez les deux, là, qui ont senti l'odeur des pancakes. Noam, ensuite, tu me répareras ça. Et puis, bah, Blanche, peut-être un petit pipi, une petite douche. Et puis, on se met à la pâtisserie, hein? Pourquoi pas? Ou alors des glaces. On peut vendre des glaces aussi en bas. Ouais, peut-être des glaces pour changer. Les filles, avez-vous fait vos devoirs? On va regarder ça tout de suite. J'espère qu'on les a pas oubliés chez maman. Ah non, t'as pas fait tes devoirs. Et toi? Ah non, non plus. Alors on y va. Petite occupation du matin. Go! Dakota, c'est son anniversaire demain. J'ai vu ça tout à l'heure. Tiens, d'ailleurs, on va peut-être faire un petit tour. Donc aujourd'hui... Ah non, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, anniversaire de Dakota. Eh, on peut peut-être le fêter, hein? Vendredi prochain, l'anniversaire de Noam. Et ensuite, lundi, c'est Blanche. Et vendredi, c'est Rose. Tiens, aide-la à faire ses devoirs. Ça va vous faire du bien à tout le monde. Il parlait de rupture, vous avez vu? De divorce. Vous croyez qu'il aura parlé du divorce avec Claire? Vous croyez qu'il veut divorcer? Je ne sais pas trop trop. Ça y est, Rose, t'as fait tes devoirs? Oui! Eh ben, aide Blanche maintenant. Ça va plus vite hein, quand on les aide. Tiens, voilà Véronique. Véronique, la petite copine de Maloé. Elle se met à table et tout. Non, normalement, c'était pas pour discuter qu'il l'avait appelée, si vous voyez ce que je veux dire. Ça y est, Blanche, t'as fait tes devoirs? Ouais, super. Écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas cuisiner. Tiens, lui, il est parti faire ses affaires. Tu vas cuisiner un petit gâteau pour Dakota. Qu'est-ce qui lui plairait, à votre avis? Au chocolat, je pense. On fait ça quand? Ce soir ou ce midi? Peut-être ce midi, hein, tranquillement, entre nous, pourquoi pas. Il a qui comme ami, Dakota? Oh, il en a pas des masses. Oh, mon Dieu! Oh non! Mais pourquoi je la prends comme ça? Jason est mort? C'est pas vrai. Si, Jason est mort. Mais vous voyez qu'on avait bien fait de... Non, alors, écoutez, changement de plan. On avait bien fait d'arrêter le temps pour le mariage. On va aller faire... Vas-y, finis ton gâteau, on va le mettre au frigo, on s'en fiche. Dakota, tant pis, il va pas faire un esclandre s'il a pas de gâteau. Et on va faire un plat pour emmener chez Gretel. Oh, la pauvre Gretel, elle doit être dévastée. Elle vient de se marier. Oh, il a survécu 3 jours au mariage, le pauvre. Non, Jason, je suis trop triste. Et on va préparer un repas gastronomique. Non, pas gastronomique, c'est pénible. Moi, je verrais bien un gratin ou ça, là. Ah non, c'est une entrée. Oh, on peut faire les deux, remarquez. On peut faire ça et on peut faire le gratin. Et on emporte tout ça. C'est trop triste. Mais attendez, mais personne n'est triste, en fait. Toi, t'es-tu plus triste pour Samantha que pour Jason? Non, on va se dire qu'elle est triste pour les deux. Et toi, t'es pas triste du tout? Non, il est pas triste du tout, lui. Alors, les petites galettes sont prêtes. Fais le gratin maintenant. On va te le mettre dans ton inventaire. Si, si, elle est triste, hein, quand même. Et le petit gratin est prêt. On va le mettre dans l'inventaire également. Et on file chez Gretel. Pour lui présenter nos condoléances, c'est quand même la moindre des choses. Il est mort devant la porte de chez lui. Bon, on va faire comme si le corps n'était plus là.
Oh là là, on est super triste. Oh là là, ils pleurent dans leur lit. Ah ouais, ils sont tous super, super, super tristes. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, je vous ai amené des petites choses à manger. Je sais que ça vous rendra pas votre papa, mais sachez qu'on est de tout cœur avec vous. Ah ouais, Gretel, elle est en jogging. On va essayer de réconforter. Ah ouais, ils sont super tristes. Bah, tu m'étonnes en même temps. La lune de miel n'a même pas eu lieu, quoi. Ouais, vas-y, réconforte ton cousin. Voilà, tu réconfortes aussi. Oh là 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 là. Elle est en colère. Je pense qu'elle est en colère contre la vie, contre le destin, vous voyez, quoi. Bon, elle va voir les gamins aussi. Ils sont sur le canapé. On va essayer d'illuminer la journée. Oh là là. Voilà, on va enlacer le petit. Oh, c'est vrai qu'il y avait le bébé en plus. Pauvre Gretel. Bon, c'est compliqué, c'est compliqué. Regardez le pauvre. Rose, elle sait plus quoi faire pour lui changer les idées, quoi. Elle est perdue. Elle sait pas trop. T'inquiète pas. La vie continue. Oui, je sais, c'est difficile à dire. Elle essaye en tout cas. Elle est où Gretel? J'ai paumé Gretel. Bon, peut-être qu'elle avait besoin d'être seule. On va peut-être rentrer. C'est compliqué. Écoutez, on leur laisse la bouffe. On va rentrer. On a fait ce qu'il fallait. Du coup, une fois revenue à l'appartement, bah, Véronique est toujours là. Ok. On est toujours triste. Est-ce que 18h25... Alors, il est peut-être un petit peu tard pour faire des glaces. On va essayer quand même. On va essayer de faire de la glace menthe pépite de chocolat. Je voudrais voir comment ça se vend. Et puis, waouh, Stracciatella. Vous m'avez compris. C'est dans ton inventaire? Oui, tout à fait. Bon, on va aller vendre des glaces le soir, hein. C'est pas grave, on va se dire qu'on est l'été, hein. Alors, on va essayer d'aller vendre ça. On va se mettre ici, là où il y a des gens. Commencer une vente de nourriture. Oh, c'est trop bien! Bon, on n'en a que deux, c'est pas beaucoup, mais il y a la faim en plus, mince. Allez les gens! Bon, en même temps, il est 21h, donc forcément, peut-être qu'ils n'ont pas envie d'avoir des glaces. C'était peut-être pas un bon choix. Si? Allez, monsieur, glace maison. Ah, Gretel! Ah, oh, pourquoi elle est très en colère contre moi? Ouais, de toute façon, elle passe un mauvais moment, Gretel. Allez, oui! 16 balles? 9 et 16, ah oh, c'est cool, il mange des glaces. Trop bien. Ah oh, ça marche. Je suis contente. Gretel, tu veux une petite glace? Ah, il y en a qui prennent avec des bols et il y en a qui prennent avec des cornets. C'est ouf ça. Toi, t'es un bon client, je crois. Allez, on y va les gens, il y en a bientôt plus. Je suis une femme extrêmement chanceuse d'être mariée à quelqu'un comme toi, Noam. Mettre une bague à ton doigt était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Je me demandais si toi et moi, on pouvait laisser tomber ce qu'on fait et peut-être passer à des activités plus conjugales. Claire, mais je savais même pas que t'étais là, Claire. Vous croyez que Noam, il a envie de la même chose? Je suis un peu occupée en ce moment, mon amour. Il va pas l'appeler mon amour. Tu ne te lâches jamais d'être sentimentale? Pas maintenant. J'ai envie de la même chose. C'est parti. Je sais pas quoi dire. Allez, vas-y, c'est parti. Hein. Bon, bref. Blanche, t'es où? Blanche, Blanche, Blanche. Voilà. Blanche, elle continue son petit business. Allez, là, qu'est-ce qu'il me reste? Rien? Et là, il en reste un. Allez, je vends le dernier. Ouais, super. On peut finir la vente de nourriture. Et on en a eu pour 200 simflouzes. Oh, t'es où, Rose? Ah, il y avait Gretel qui est passée? D'accord, moi c'était l'auberge espagnole chez moi. Toi, tu rentres. T'as besoin un petit peu de t'occuper de toi. Et puis, on va aller se coucher tout tranquillement. Dakota, il est parti se coucher. Il a même pas soufflé ses bougies, le pauvre. Allez, Blanche, vas-y, atteins les toilettes, je t'en prie. Noam, tu es occupé? Noam, t'es dehors? Mais qu'est-ce que vous faites, les amis, là? On dirait des ados. Non, mais franchement, bon, on va le laisser tranquille. Bon, puis toi. Tu manges un petit peu et puis on va aller dormir. Et Noam est rentré se coucher. Je pense que Claire est partie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Moi, j'ai pas été voir. Elle est compliquée, cette petite Claire. Il est 9h quand Blanche se réveille. Ouais, j'ai mis un petit peu Noam au travail. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a ses règles aussi.
Ah bah décidément, elle est synchro avec sa sœur, c'est ouf. J'aimerais bien qu'on aille en acheter d'ailleurs. Ah mais on est dimanche, forcément. On se réveille dimanche pour aller acheter des tampons. Ah, c'est pas logique, hein. On va dire que le dimanche matin, c'est ouvert, hein, donc on va y aller. Allez, on va prendre deux boîtes, une pour nous, une pour notre sœur. Oh, Dakota a vieilli! Eh ben voilà, mon petit vieux, t'as vieilli sans ton gâteau. Waouh, ça te va bien la vieillesse, Dakota, t'es classe. Trop cool. Et toi, ça y est, t'es revenu, t'es où? Tu veux pas te prendre une petite douche tonifiante, tiens, hein, pour bien commencer la journée, vas-y. Elle a mis sa belle tenue, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour se divertir? Peut-être danser un petit peu. Elle aime bien danser. Oh, regardez qui voilà. Alors non, on va pas danser. Bonjour Mario. Regardez, voilà, ça c'est la tenue de Mario que je connais. J'imagine que c'est Gretel qui t'a donné mon adresse. On va s'asseoir et discuter ici. Allez, vous discutez un petit peu. Ça lui change les idées. C'est plutôt cool. Quoique, hein, j'ai peut-être parlé trop vite. Si, ça a l'air de lui changer les idées quand même. Et Mario lui dit, écoute, moi, ce que je te propose, c'est que si tu veux, tu peux venir. Mercredi, par exemple, moi je peux t'accueillir et puis tu peux essayer d'aller voir l'université un petit peu. Bon, c'est à 2 heures de route, hein, on va dire. L'université, tu découvres, etc. Et je crois que je connais même un jeune qui vit en coloc et qui a une place. Où il y a une place, mais c'est pas sûr. Donc voilà un petit peu de quoi ils discutent. Ah, et Noam est là, donc il fait la connaissance de Mario. Alors, c'est vous qui voulez m'enlever ma fille. Il est romantique, il est bienveillant, il aime la musique. Écoutez, il présente plutôt pas mal. On va lui raconter des ragots sur notre famille. Ouais, on va se souvenir de lui du jour du mariage. C'est vrai, je me rappelle, vous étiez en robe. Et Mario qui répond, ah ouais, je m'étais fait un petit délire. Effectivement, je voulais marquer le coup. Alors j'ai pris une robe rose alors que même le thème c'était bleu. Bref, c'est un bouffon. Ah bah oui, voilà, ça m'étonne pas. Et Blanche, tu vas demander à Noam s'il est d'accord pour que mercredi prochain, regarde, elle les regarde discuter entre eux, pour que mercredi prochain, on aille voir Mario là-bas, chez lui. Et je crois que Noam veut bien. Donc, ça pourrait être trop cool. Parce que lui, il était resté un petit peu en ville pour quelques temps. Et puis là, comme il y a les funérailles de Jason qui vont avoir lieu dans pas longtemps, bah, il repartira en début de semaine prochaine. Bon, c'est cool. Je suis trop contente. Noam, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas téléphoner à Claire quand même. La barre, elle est hyper remontée. Tu vas discuter avec elle pour lui dire, bon ben voilà, Claire. Mercredi, je pars avec Blanche et puis on va voir l'université de Tartosa. Et là, Claire, elle fait quoi? Attends 2 secondes, j'arrive là. Je crois que Noam a fait une gaffe. Je pense qu'il pensait que Blanche avait dit ça à sa mère. Et oups, ce n'est pas le cas. Tiens, Mario s'en va, d'accord. Claire va arriver. Aïe, ça va chauffer, ça va chauffer. Du coup, va te prendre une petite douche avant qu'elle arrive. Elle rentre carrément. Mais où elle va? Pourquoi elle monte? Ah, elle va dans la chambre de Noam carrément. Pour pleurer. Ok. Tiens, il y a Gretel qui arrive en plus. Mais est-ce que vous êtes obligé de discuter devant tout le monde? Ah, regardez, Claire, elle est super malheureuse. Claire est assez en colère que Blanche lui ait pas dit. Et Blanche fait, mais maman, j'allais t'en parler. C'est difficile, hein, maintenant que Noam a fait la bourde. Claire, elle le prend pas très bien. Et Blanche, du coup, elle fait. Mais. Ouais, elle se dispute avec sa mère alors que c'est Noam qui a fait l'erreur, quoi. Je pense que on va essayer de dire. Excuse-moi, c'est moi. Je suis vraiment désolée. Noam, il lui fait pardon. Je croyais que tu étais au courant. C'est moi qui ai fait la gaffe. C'est ma faute. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller discuter à un autre endroit? Parce que il y a du monde partout, en fait. Voilà, on va discuter un petit peu dans la chambre. Écoute, c'est parce que moi, je pensais que tu étais au courant. Je croyais qu'elle t'en avait parlé. En tout cas, ça se passe pas super bien. C'est pas la peine non plus de faire une scène à ta fille. Mais on va s'excuser quand même. Pardon. Ouais, non, elle le blâme pour son erreur. En tout cas, elle le prend très mal, Claire. Mais c'est pas étonnant, ça m'étonne pas.
Oui, mais tu te rends compte, avec la mort de Jason et tout, moi je sais plus ce qu'on dit. Vous êtes en colère suite à une conversation désagréable. Bon, ben écoute, voilà. Voilà, et elle s'en va. Vous, tu sais quoi, les filles, vous allez en profiter? Vous allez avec maman, comme ça vous rentrez en même temps, d'accord? On se dit à mercredi, ma petite Blanche? Voilà, les trois filles sont rentrées. Ah, regardez, Claire ne sait pas vraiment ce qui a provoqué une telle colère, mais elle est si puissante qu'elle ne peut pas s'empêcher de fulminer. Peut-être est-ce qu'on va avoir une petite conversation avec Blanche quand même, maintenant qu'on est rentrés. On voulait peut-être pas faire d'esclandre devant son père, mais pourquoi pas maintenant lui crier un petit peu dessus. Blanche, viens là, s'il te plaît, assieds-toi. Tu aurais pu m'en parler. Tu es mon enfant, et moi, j'apprends des choses te concernant par ton père. Alors que on n'est même plus ensemble. Je suis pas d'accord. Tu peux m'en parler. Tu peux me parler des trucs. Non! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, l'autre elle met le feu. Mais on est en train de se disputer, Rose. Eh, va pas y avoir. Voilà, merci. Ah, du coup, Blanche est partie pleurer. Rose est partie se laver. Non mais vas-y, dans ces cas-là, dors. Hein. Vas-y, t'es allée pleurer, tu dors maintenant. Claire, pendant ce temps-là, bah, t'es énergisée, du coup ça t'a changé les idées, tout ça, tu nettoies et tu vas aller te coucher. Et tout le monde dort. Écoutez, je pense que s'il ne se passe rien de vraiment intéressant lundi et mardi, parce qu'on va aller au lycée, on va faire les devoirs, on va rentrer, on va manger, on va dormir, je vous propose qu'on se retrouve mercredi pour aller voir Mario. Je vous reprends, nous ne sommes pas mercredi, mais lundi soir, pendant que Blanche fait à manger, Noam est venu de lui-même. Il est venu, je pense, manger avec nous et régler les derniers détails pour mercredi. Claire va en profiter pour s'excuser de son comportement. Elle a un petit peu réfléchi. Elle va lui dire qu'il est très élégant, elle va le flatter. Et là, elle a envie de parler des peurs concernant une relation avec Noam. Je pense qu'elle va attendre que les filles partent au lit, ce qui ne saurait tarder, et vous allez venir un petit peu discuter là, parler de ses peurs concernant une relation. Écoute, je sais pas trop, est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on n'est pas ensemble? Je ne sais pas, est-ce que tu peux m'éclairer? Eh ben voilà, ah ben ça pour l'éclairer, il l'éclaire. Ils sont pareils en fait, hein. Vous êtes sérieux? Comment voulez-vous que je m'y retrouve dans vos histoires aussi? Est-ce que vous savez ce que vous voulez, les cocos? Le jour se lève à peine lorsque Blanche et Noam prennent le train qui est situé vraiment juste devant l'appartement de Claire. Donc c'est très pratique. Noam est venu, il a chopé Blanche au passage et paf, le train, direction Tartosa. On les retrouve là-bas. Ça va être trop bien. Il est presque 7h du matin quand Claire et Noam arrivent enfin chez Mario. Regardez cette baraque, elle est incroyable. C'est magnifique, ils sont trop contents d'être là. Regardons un peu la vue. Oh la vache! Mais il est bien placé le petit Mario là, hein? Il a du fric, hein, n'empêche! Alors Noam est triste pour je ne sais quelle raison. Peut-être que il se rend compte que face à un paysage comme ça, c'est sûr qu'il fait pas le poids. Peut-être qu'il avait encore un petit espoir que Blanche se dise non, finalement, j'ai pas envie de quitter mon papa. Mais regardez, elle a l'air trop heureuse. Elle est même carrément radieuse. Elle a l'air de kiffer ici. Et elle se précipite en courant vers la maison. Ouais. Ah, il est là. Bonjour Marco, on est arrivé. On est trop content d'être là. Enfin, moi, parce que mon père, moi. On va lui raconter des ragots. Tiens, qu'est-ce qu'on va lui dire comme ragot? La mairie propose des mariages rapides pour les visiteurs qui ne peuvent pas attendre un jour de plus. Parfois, l'amour est impatient, n'est-ce pas? Ah, il est en train de lui dire que Tartosa, c'est la ville de l'amour et qu'effectivement, voilà. Écoute, ce qu'on va faire, ma petite Blanche, il est 8h du matin.
Installez-vous un petit peu, reposez-vous. On va venir un petit peu dans le salon. Et alors Mario, il va nous expliquer ce qu'il a pour nous. Alors aujourd'hui, moi je vais vous emmener voir un petit peu l'école de cuisine. Et même si tu veux Blanche, elle se rapproche je pense. Si tu veux, on pourra même aller voir la colocation. Et on va peut-être pouvoir passer voir s'il leur reste une chambre ou pas. Oh, il y a un mec en slip qui est passé. Il est bientôt 10h du matin et on va pas tarder. Mais moi, vous me connaissez et c'est sur cette image de la petite Blanche qui demande plein de renseignements que nous allons nous laisser. La suite, samedi prochain. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour découvrir tout ça. Allez, salut!